Les boîtes grammaticales nous permettent de classer les mots à décoder par les enfants pour qu'ils soient imprégnés du classement grammatical des mots dans la langue française. Et donc nous présentons les noms propres, les noms communs, les verbes, les adjectifs, etc., pour que leur approche soit déjà grammaticale et qu'ils puissent prendre des indices sur la formation des mots et ce classement dans la langue française. À partir de ces mots, à partir de ces classes grammaticales, nous avons également une approche orthographique puisque nous leur proposons de produire des phrases à partir de ces mots. Et donc l'orthographe est déjà portée puisqu'ils peuvent copier les mots sans erreur. Et ensuite, dans le cadre des phrases, nous travaillons ce que nous appelons la morphosyntaxe, c'est-à-dire la relation entre les mots, quand c'est du féminin ou du masculin, quand c'est du singulier ou du pluriel.